Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Coucou les loulous. Coucou. Alors dites-moi aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez là? Une peluche. Une peluche? Oh là là, un super jeu de société. Des bonbons. Oh, mais c'est pour vous ça? Non. Non? Ben c'est pour qui alors? C'est pour moi. Pour les abonnés. Ah, pour les abonnés. Mais pourquoi pour les abonnés tout ça? On va faire le tirage au sort du jeu concours. Et oui les amis, c'est aujourd'hui le tirage au sort du jeu concours des 100 abonnés. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous le mets un petit lien. Donc suivez le petit qui ici, là, mon doigt tout rose vous le montre. Et pour ceux qui ont déjà vu la vidéo et qui ont surtout participé et répondu juste aux deux questions mystères, nous allons faire le tirage au sort. Alors, nous avons combien de lots à gagner? Deux. Et oui, nous avions deux lots à gagner si vous vous souvenez bien. Donc, le premier lot, c'est Corentin qui l'a. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Corentin? Tu vas me le dire? Tu vas nous le dire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une peluche. Oui, une peluche et quoi? Deux paquets de bonbons. Et oui, nous avons deux paquets de bonbons, si vous vous souvenez. Donc, l'île au trésor de Charibo, c'est nouveau. Un petit paquet des 20 ans du musée du bonbon à Uzès. Et hop! Et la peluche, la super peluche coussin brodée Haribo fraise Tagada. Super chouette. Et au sein, elle a le deuxième lot. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le deuxième lot? Des bonbons et un jeu société. Des bonbons et un jeu société? Moi, je suis société, non? Mon jeu société, les gars! Alors, nous avons deux paquets de bonbons. Donc là, c'est le Haribo Pic Love. Donc, c'est des cuillères bleu, blanc, rouge, comme la France. Et aussi un petit paquet de dragibus spécial 20 ans du musée. Et il y en a des bonbons à Uzès. Ça fait pas oublier, Océane. Non, Océane est encore disparu, mais ça, on a l'habitude. Et ensuite, nous avons dans ce deuxième lot un jeu de société qui est... Alors, apparemment, c'est trois jeux complètement Tagada de chez Haribo. Donc, on les trouve vraiment que chez Haribo. Ça, c'est pour le deuxième lot. C'était deux jeux à table. Donc, le jeu de... Tocqueté. Alors les amis, s'il y a de l'eau, ça veut dire qu'il va y avoir combien de gagnants? Deux. Deux, et oui, il y aura deux gagnants aujourd'hui. Alors on va passer tout de suite au tirage au sort. Oui. Oui, on passe au tirage au sort. Eh bien c'est tout simple, nous avons un saladier, avec des petites boules de Crazy Dog, c'est rigolo à l'intérieur, donc pour le moment, elles sont vides. Hop, hop là, donc je vous montre. Elles sont toutes vides, regardez, les boules. Donc, Corentin, Océane, vous ouvrez les boules? Regarde, non, on fait un boule et après on le met dans la boule. Eh oui, fais voir la main. Hop. Hop. Ah. Oh, il restait collé. Merci, louloute. Alors voilà, donc Océane, comme Océane vous a expliqué, mais je ne sais pas si vous avez compris. Nous avons tous les noms qui sont ici, voilà, tous les petits noms des abonnés qui ont répondu juste au jeu concours. Et on va les mettre dans chaque petite boule, donc tous ces noms, on va les mettre un par boule. Dans les boules que Corentin et Océane vont ouvrir. Et on va mettre les petits papiers à l'intérieur. Alors, Corentin, Océane, je vous donne les noms. Alors maman va vous aider en ouvrant les boules. Vous mettez bien un papier par boule, hein, pas deux. Hein. Et quand elles sont pleines, hop, vous les remettez dans le petit saladier. Dans le petit saladier, à voter. Voilà, donc ils font ça très très bien. Alors à savoir que Corentin et Océane ne savent pas encore lire, donc ce sont bien des petites mains innocentes. Non, vous savez pas encore lire parce qu'Océane, bien sûr. Je sais ce qui est écrit sur le papier qu'il y a dans cette boule. Ah ouais? Oui. Faut pas dire alors. Ah.
qu'est-ce qu'il y a sur ce papier? Oui, parce que Corentin commence à reconnaître un peu les lettres et les syllabes. Parce qu'il est... J'ai reconnu deux lettres. En grande section. D'ailleurs, les deux questions, c'était quoi, les enfants? En quelle classe j'allais passer? Et en quelle classe est-ce que tu vas passer, Corentin? CP. En CP. Et Océane, c'était quoi ta question? Et moi, la quelle préférée que j'aime comme princesse? Et c'était qui? Et c'était Anna, et réponse Elsa. Ouais, la préférée de chez préférée, c'est Elsa. Elsa, voilà. Donc et Anna dois... Oui, bah, il fallait en choisir qu'une. Alors, les préférés, c'est la Reine des Neiges, c'est Anne, et Anna. Donc Elsa. Et Corentin, donc c'était en CP qui va rentrer. Voilà pour les réponses. Vous avez bientôt fini, les enfants? Oui. Ouais, on s'en sort. Alors, on va faire le tirage au sort pour la première boule. On va tirer au sort pour quel lot? C'est vous qui choisissez, hein. Pour quel lot? On va faire gagner en premier celui avec le jeu de société? D'accord. Ou celui avec la peluche? Celui-là. Jeu de société. D'accord. Aïe! Hop là. Et voilà, ben vous avez terminé. Bah, alors, on va tirer au sort pour le premier lot qui se compose du jeu de société ainsi que les deux petits paquets de bonbons. Biou. Alors, biou. Ils sont tous là, je les... Il n'y en a pas qui sont tombés, non, je les mélange bien. Un gamin de gari, oui. Voilà, quatre. Un jour, on trouve un qu'ils y sont tous. Voilà, vous étiez 14 à répondre juste. Donc, il y avait 14. Hop. Alors, qui tire en premier? Moi. Non, on va faire un plouf-plouf. Océane va chanter la chanson. Je sais pas. Et si, Scooby-Doo. Allez. Scooby-Doo et Lana. Scooby-Doo va craquer. Au bout de trois, ça sera pas toi. Un, deux, trois, ça sera toi. Alors, c'est toi alors? Oui. Ah, ok, oh. Bon, c'est Suzanne qui... J'ai rien compris. Suzanne qui va tirer une petite boule, une seule, hein. Hop. Oh là là. Hop. C'est et qui? Tu l'ouvres alors? C'est qui? Mais Corentin, il sait pas lire. Il dit c'est qui, mais... Merci. Alors, et le gagnant est Valérie Collinet. Bravo Valérie, tu as remporté le jeu de société Tagada avec deux petits paquets de chez Haribo à Uzès. Bravo, bravo Valérie. Alors, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires et nous envoyer ton adresse par message privé parce qu'il va falloir qu'on t'envoie le colis. Et le deuxième, c'est Corentin qui va le tirer au sort. Alors moi, je vais encore remuer. C'est bon? C'est bon? Et de coup, c'est bon. Et bon, et de allez. Coup, et de coup, pour moi, j'aime trop Valérie, maman. Ah oui, mais c'est pas la même. Alors, suspense. Alors, qui c'est? Alors, on va voir. Waouh! Et voici qui a gagné le lot. Alors, c'est quel lot? C'est le gros lot avec la fraise Tagada et les deux paquets de bonbons. Donc, c'est Nina. Nina! Bravo Nina! Nina debout! Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée. Donc pour les gagnants, on n'oublie surtout pas de mettre un message privé, de nous envoyer par message privé les coordonnées. Sinon pour les perdants, on est encore vraiment désolés. Mais par contre, on vous remercie vraiment vraiment du fond du cœur. Un gros bisou! Un gros bisou, oui! Bisou! Et surtout, n'hésitez surtout pas à nous suivre parce qu'il y aura d'autres concours comme ça. Des super concours, on va en faire régulièrement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Un pouce vers le haut.
surtout des commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner. Comme ça, vous pourrez, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pourrez participer au prochain concours. En attendant la prochaine vidéo, on vous dit bisous. Ciao, ciao. Et encore bravo à Nina Demo et Valérie Collinet. Bisous, bisous, les amis. Bisous. 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 Bisous.